Comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, la radio-télévision B1 fête ce samedi 1er février ses 11 ans d'existence. Lancée en certain 1er février 2009, aujourd'hui la chaîne a très vite réussi à conquérir le cœur des millions de téléspectateurs et auditeurs par sa touche particulière. Un média au cœur de l'actualité avec une diversité des programmes qui permet au peuple congolais, et celui d'ailleurs, de s'informer à temps et à contre-temps sur l'actualité dans toutes ses formes et autres activités en RDC. 11 ans après, la chaîne événementielle avec une touche culturelle pointue ne dévie pas face à son objectif. Yuan, le beau y est. Vos images, c'est très très cool, c'est très formidable. Donc j'adore. C'est la chaîne la plus exceptionnelle pour moi. Je préfère B1 par rapport à certaines chaînes de notre pays. B1 c'est l'une des meilleures chaînes de la RDC. Tous les qualificatifs y est pour décrire la magie que diffuse la chaîne. Ces années d'existence est une merveille pour les yeux de ces nombreux téléspectateurs qu'elle a conquis. À coup sûr, B1 Télévision et Radio a insufflé un vent nouveau dans la sphère des médias congolais. Premièrement, j'apprécie la manière dont d'abord la chaîne elle est habillée. Donc l'habillage est tellement bon. C'est cela qui fait un peu la beauté de lorsque on cherche à présenter une émission qui ait au moins une très bonne, un très beau déco, quoi. Une décoration exacte, disons. Ce que j'apprécie chez B1, c'est tout d'abord l'émission Ta Grandeur. Et ensuite, On est ensemble. Ce sont des émissions qui me poussent à suivre suivant B1. À Kinshasa, à Brazzaville, le cœur de téléspectateurs bat sous une cadence rythmée par les programmes de la chaîne. Cette frénésie a gagné toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'enchantement qu'elle a créé lui vaut un coup de grâce de s'inscrire dans le bouquet Canal+. Une première pour une chaîne de télévision privée congolaise de conquérir le monde. Et j'aime également ces émissions. Il y a par exemple l'émission de femmes que j'aime beaucoup. Je suis. Et il y a également l'émission de Ta Grandeur. On est ensemble. Ce sont des émissions que j'aime beaucoup. Je crois que B1 nous a beaucoup apporté, B1 nous a beaucoup instruit. Ce que j'apprécie le plus, c'est l'impartialité dans la manière de traitement des informations. J'apprécie beaucoup votre télévision. Il n'y a pas de langage terre à terre comme les autres font. J'apprécie beaucoup, on est ensemble de chaque matin de B1 Télévision. Autant j'apprécie aussi la chronique de Papi Mboma, autant j'apprécie aussi B1 Show. B1, c'est autant d'événements, autant d'émotions, autant de passions véhiculées pour des cultures métissées qui attendent d'être possédées comme par enchantement. De ces années, B1 a épaté, elle a régalé et égalé, mais le rêve qu'elle procure ne fait que commencer. Pour un cadeau, tellement la Moscovitch. Avant dans la Moscou, on a offert B1 cadeau mon connais, mais la vie non zembo. Il y a joué un anniversaire, mais la russe. C'est Diom Rajde, Nia Tibia. C'est Diom Rajde, Nia Tibia. C'est Diom Rajde, Nia Tibia. B1. C'est Diom Rajde, Nia Tibia. Merci, mon anniversaire.